suivi. Ouais, donc moi, ce serait de... Je sais pas, de... En fait, j'ai pas de peur pour moi personnellement. J'ai pas de peur, j'ai plus de la peur pour les autres. Salut Tom 666 Dark. Sois le bienvenu sur ce stream. On joue à Until Dawn et nous venons d'entamer l'épisode 2. Ah, les insectes, hein. Les filles, c'est beaucoup les insectes, hein, je remarque. Beaucoup les insectes, mais moi, c'est pas. J'ai pas de. Mais oui, bien sûr, je sais que tu rigoles. Non, moi, j'ai pas de peur particulière. Ah, si. S'il y a vraiment, ouais, s'il y a quelque chose quand même qui me fait assez peur et à chaque fois j'ai l'air d'un con, c'est les abeilles. Ah, Jeff the Killer, ah bah oui. D'ailleurs, il y était Jeff the Killer à la Japan Expo. Moi, c'est les abeilles. Chaque fois qu'il y a des abeilles, je suis comme ça. Je ferme la bouche et quand je parle comme ça, en fermant les dents, en serrant les dents et en faisant juste bouger mes lèvres. Donc ouais, si on peut dire que j'ai une peur. Salut l'arnaqueur du 84, sois le bienvenu sur ce stream. On joue à Until Dawn et c'est vous qui faites les choix. Une mort lente et douloureuse, c'est flippé. Ah ouais, ça c'est sûr. Et donc Todor, pour finir avec Gus DX, c'est vrai qu'il va plus dans des endroits trop glauques. Par contre, j'avais adoré celui avec la maison d'hôte. C'était pas le dernier épisode, celui d'avant. La maison d'hôte était excellente. Les hauteurs. Et aussi les Wendigo. Ah là là, wake me up before Wendigo go. Le Wendigo. Ou le Madingo. Ça dépend sur quel site tu cherches. Et ouais, les abeilles, j'ai peur de les avaler, les abeilles. Ah mais là là, voilà, c'est bon. Les gens se retrouvent, on se retrouve tous sur le stream de Game Online. Lady retrouve l'arnaqueur. Ah, les clowns! Les clowns, putain, c'est bizarre. C'est bizarre cette phobie des clowns. Et attention, hein, je la critique absolument pas et je ne m'en moque absolument pas, hein, mais. Je. Vous saviez que le Wendigo est une légende indienne? Oh! Ben, si t'as joué au jeu, oui, tu le sais. Les clowns, ouais, les clowns, je sais pas. J'ai jamais eu une mauvaise image du clown. À part si tu as vu ça où il est revenu quand t'étais jeune. Et là, oui, les clowns peuvent te faire peur. Mais avant. Avant, si t'as pas eu. Si tu n'as pas vu. Ouais, c'est ça. Si tu n'as pas vu le film, tu n'as pas peur des clowns. Et moi, j'ai vu le film bien trop tard. Hein. J'étais déjà majeur et vacciné. Et ça m'a pas fait peur. Bon, allez. Josh, qui est compliqué. C'est le frère d'Anna et Bess. Hein, c'est Mister Robot. Salut, Yakuba38. Sois bienvenu. Il est compliqué, réfléchi et affectueux. Ah, le nouveau hit. Ah oui. Serra, est-ce que tu streams sur un live perso? Oui. Oui, j'ai ma chaîne perso. Tu cherches EG Céramique sur Twitch. Tu rajoutes EG Céramique. Ou même tu cliques sur mon pseudo, tu devrais pouvoir arriver à ma chaîne. Ah oui, ce qui fait peur chez les clowns, c'est qu'on ne sait jamais qui c'est. Bien sûr, ils sont maquillés. Et le maquillage est souvent ça grime vraiment le visage au point qu'on. Même si, je sais pas, tu maquilles ton frère, tu le reconnais pas, quoi.
Oh là là, 10 ans après en regardant Hit, mais sérieux. Todor a déjà été confronté à des clowns tueurs? Mais dans quel jeu? Ah ouais, mais je pense, Lady, je pense pas que t'aies lu que t'aies lu les trois tomes de Hit à 10 ans. Ah ouais, c'est vrai, Lady, elle a tellement. Attends, ouais. Lady avec son pseudo Gantz. Franchement, quand t'as vécu l'enfer de Gantz, tu n'as plus peur de rien. Allez, t'as grandi ici, Allez, t'as on parlé continue comme un gentil. l'aventure. Ouais, c'est Oh pas la mal. vache! C'est quand que tu vas Ah mais, poser des antennes relais? franchement, Je danse? ça c'est trop la classe. Bah, je Je suis sais invité pas dans pour quel faire un petit contexte tour c'était, mais d'horizon. si j'ai vu. Puisque t'en parles, Oh la je vais classe, t'emmener du à Agatha l'Olympus. Christie. Mais L'Olympus? Salut! si j'avais vu Je te sais. l'opportunité de Plus lire moi, tout ça en moi. étant jeune, Plus mais à putain, moi. comment je C'est. serais 1 milliard de fois mieux que ce que je suis maintenant. Stephen King, moi je viens de la campagne. J'ai connu Stephen King au lycée. Yo yo yo, est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Les Ouais. clowns tueurs, c'est fréquent, mais oui. Est-ce que j'ai loupé un truc là? Dites-moi, est-ce que en regardant le chat, j'ai loupé une action là juste avant? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? J'ai loupé un truc ou j'ai rien loupé? Bah oui, bah la classe quoi, putain. Le club. Ah mais j'ai lu à 25 ans l'intégralité du Club des 5. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que pendant un moment, il y a eu la mode des clowns tueurs dans les rues. Ouais, moi aussi, je lisais le chat, j'ai pas du tout fait gaffe à l'image, je sais pas si juste avant, il n'y a pas eu une action à faire. Salut Soprandria, sois le bienvenu sur le chat. Mais c'est vrai, vraiment, à 25 ans, dans ma bibliothèque, dans la pièce d'à côté, j'ai l'intégrale du Club des 5. L'intégrale. J'ai tous lu. Bon, on va dire que j'ai rien loupé. Est-ce qu'on est commère et qu'on raconte Matt et Emily, ils sont ensemble? Ou est-ce qu'on lui demande si tout va bien? Que fait-on? Quel est notre choix? Que doit choisir Chris? C'est à vous de décider. Ah, mais moi, à 12 ans, le seul Bundy que je connaissais, c'était Al Bundy dans Marié deux enfants. Et Manson, c'était Marilyn Manson. Je savais pas encore à cette époque-là que son pseudo. Inquiet pour Lady. Inquiet pour Soprandria. Oh bah c'est gentil Todor pour le follow. Merci beaucoup. Alix nous dit inquiet. Alors, on est à 3 inquiets. Todor. Todor. Et Roro. Hein? Roro. Inquiet. Bon, on va partir pour inquiet. Ouais, bah attends, je vais balancer le lien de ma chaîne perso, alors merci. Je sais que ça doit être vraiment dur sans tes soeurs. Arrête. Je voulais juste. Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je Ok. veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme on profite. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction? C'est pas Waouh, vraiment une effraction c'est si on est des cool. voyous, non? Ouais,
tant que je te dénonce pas. Ah, les personnes à multiples personnalités, mais la classe. Ah ouais, mais moi aussi j'aime bien tout ça. Sauf que je préfère lire des hentai. Salut Chris. Alors, est-ce qu'on est troublé ou confiant avec Ashley? Est-ce qu'on est troublé ou confiant avec Ashley? Qu'elle doit en faire? On peut dire ton nom en message. Ouais, bien sûr. Confiant. Confiant. Troublé. Troublé. Deux troublés, deux confiants. Allez. Et Roro Gaming, il est plus là? Roro. Reviens, mon Roro. Allez, allez. Roro, reviens. Allez, ça y est, c'est la bagarre sur le chat. Confiant. Bon, bah, on dit confiant. Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Oh ouais, tu veux te blottir contre ma cheminée? Ok. On se balade. Alors, il faut que je cherche... Ah oui, il veut m'emmener là-bas. Il veut m'emmener faire un tour dans la forêt. Yeah. Je rappelle que c'est le gars qui a perdu ses deux frangines un an plus tôt, hein, et qui décide de refaire une teuf avec tous ses potes qui ont fait la bonne farce qui a provoqué la mort des frangines. Hein. Et là, il n'y a rien. Mais le gars, on va totalement le suivre. On va totalement le suivre, donc on est totalement irresponsable. Et oui, Ashley a les canons. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses? Ouais. J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Ouais, je vois. Alors. Viens, on est bien. Viens, on est bien. Alors, est-ce qu'on acquiesce ou est-ce qu'on proteste? Non, il n'est pas sur PC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On acquiesce? Est-ce qu'on dit ah bah ouais, carrément, putain! Ouais. Ou est-ce qu'on dit ouais, vas-y, arrête, ça se fait pas, quoi. On parle pas des fameux comme ça. Alors, Lady, on proteste. Honnêtement, je m'attendais à cette réponse. Il a un peu une tête de bonnet. Ben ouais, quoi. C'est le nerd, c'est le geek, c'est... Ah, Todor dit acquiescer. Ouais, carrément. Alors là, ça y est. Opposition garçon-fille. Ok, d'un côté, les garçons qui vont dire « Ouais, vas-y, claque-lui les fesses. » Et de l'autre côté, les filles « Non, mais attends, on n'est pas de la viande. » Ouais, alors le gars, il dit... Le gars, en fait, Josh était en train de dire « Ah ouais, Ashley, elle est carrément trop bonne. Ce serait trop bien si je pouvais... Ce serait trop bien de lui arracher sa parka et de se rouler dans la neige avec elle. » Tu vois, et toi, tu vas faire « Ah ouais, carrément, c'est trop bien. J'aimerais trop me rouler dans la neige avec elle. » Ou protester en disant « Non, mais sérieux, respecte-la. » Voilà, c'est ça. Le respect pour les fameux. Guédou, viande.
Salut! Tu vas bien? Alors, protester, on est à protester fois deux. Alors, on a deux fois protesté et une fois acquiescé. Ah, trois protestés, donc on proteste. Les fameux sont au pouvoir. Du calme, mec. Eh bah, si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Ouais, Mike. Relax. Ouais, Mike, ça commence à Mike, sentir il peut tout se les correctement. faire. Ouais. Parce que voilà, hein, les meufs, elles sont aussi Regarde trop, autour de toi. Regarde ces trop nouveaux simples. détails. Voilà, Est-ce que ça tu va vers penses le plus beau. tu peux imaginer un Non. scénario plus parfait, Parce que plus là, réaliste, lui, plus possible, Chris, il a plus peut-être la gueule de travers, hein, mais il est intelligent. enfin serein, Hein, contrôlé, il est un homme gentil, plus c'est un brave parfait que gars. ton âme. Maintenant, il est temps En de plus, il passer à maîtrise bien le l'action. fusil. Bon, et là, maintenant, tu te dis, ouais, est-ce qu'il faut que je passe à l'action? Hein, il faudrait peut-être que tu passes en... Là, il dit, alors voilà, il ferait peut-être... Je vois que vous avez le béguin entre... Ah, level 26. Non, je l'ai pas encore lu, level 26. Voilà, là, il nous dit, ouais, Ashley, elle a trop le béguin pour toi. Ouais, je l'ai déjà fait le jeu. Je l'ai déjà fait une fois, et là, on le refait tous ensemble. Hunger Games, j'ai vu les films. Mais lol. Ah, salut Galimimus, sois le bienvenu sur la chaîne. Donc, revenons à notre jeu, les petits amis. Hein? Donc là, il nous dit qu'elle a le béguin pour nous et qu'il faudrait insister. Alors, est-ce qu'on acquiesce en disant ouais, j'ai peut-être essayé de lui faire un bisou sur la joue? Ou est-ce qu'on dit j'en sais rien, j'ai peur de choper des maladies? Alors, le lien vers ma chaîne. Voilà le lien vers ma chaîne, lui le tira. Le lien de la chaîne dans le chat, hein, pas dans la chatte. J'acquiesce. Zeus, c'est pas mal, Zeus. Première vraie parole sensée du truc, quoi, du chat. Non, attends, respecte-la, elle a un cœur. Et boum dans le tunnel. Ok, bah on acquiesce, hein. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec, sans peur. Ouais, voilà, je suis un chasseur. Chasse ma proie. C'est bon. Non, on est obligé de... Donc là, voilà, la porte est gelée. La porte du chalet est gelée. Et donc, on va devoir trouver une technique pour rentrer dans le chalet. Touché. Personne n'aime les petits culs gelés. Voilà. Oh, ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? S'il y a une trappe. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Ah, il y a. Ici, un petit truc à ouvrir. Ah oui, bon, on va bouger la caisse. Ah, Soprandria, bonne nuit. Et merci d'être passé. Bah oui, je suis français, pourquoi? Je parle mal, c'est ça?
Je parle mal le français. Je parle pas beaucoup bien le français. Alors en fait, comme je suis en train de regarder le chat sur le dashboard et je regarde pas mon retour de stream, je vois pas les alertes directement. Mais oui, alors je dis merci à Soprandria, hein, juste avant son départ, à l'ampoule qui éclate, hein, pour son phalo. Non, je pense pas. Tiens. Mais oui, normalement ça apparaît, hein, j'en ai déjà vu apparaître des alertes, mais j'ai juste pas le son en fait. Si j'avais le son, je l'entendrais. Donc désolé, hein, c'est désolé si je ne préviens pas tout de suite le nouveau follow parce que je vois pas les alertes directement. Je suis tellement concentré sur nos discussions philosophiques. Ah oui. Ah ok. Attendez, je crois savoir pourquoi. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, pourtant le. Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Pourtant le Twitch alert est bien présent, hein. Ah ok, donc en fait non, je suis français, il est 1h09 ici. Ok, donc là on est entré, nous avons notre petit briquet, notre petit Zippo, qui a la particularité d'être totalement immortel. Un totem! Que va-t-il nous dire? Oh là, il y a du feu et des gens cramés. Il y a du macramé. Ouais, il doit y avoir un bug parce que je l'ai dit. Tout à l'heure, il fonctionnait en fait, hein, le Twitch Alert. Hein. Je l'ai déjà vu s'afficher sur mon écran, plus tôt, mais là, plutôt. Il y a longtemps. Il y a une heure, hein, j'ai eu plutôt pas le chien de Mickey. J'ai pas vu s'afficher plus tôt. Voilà, bon. Tac, alors, il y a quelqu'un? Toc, toc. Non, je voulais marcher. Excusez-moi. Oh, regardez-moi cette belle photo de famille. Oh là là, ils sont tout mignons. Sur cette photo, une personne est morte. Sauriez-vous deviner laquelle? C'était quoi ce truc? Ça claque, claque dans la maison. Il y a des bruits dans la maison. Et là, vous avez vu, la porte était ouverte, mais il m'a quand même fait faire l'animation d'ouvrir la porte. Ça y est, on a trouvé la viande. Une usine de fabrication. Oh là, ça bug. La carte de visite. Ok. Ok, on a bien pu la lire. Hein. Vous avez bien retenu l'adresse? Alors, tac tac tac, qu'est-ce qui se passe? Et Jackie, désolé, c'est juste qu'à force ça m'énerve un peu que tout le monde. Ah oui, oh oui, bah je savais pas, Lix, moi pour ma part. Nouvelle-Brunswick. Alors. Ici, voilà, on a une porte qui est fermée. Ok. Il va falloir aller chercher.
Oh, regarde les filles, elles sont en train de se geler les petits culs. Les petits. Salut Chris, très marrant. Mais comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure? J'y vais. J'y vais. J'y vais de ce pas. Bon, et pour les viewers, pour vous avertir. Oh là, il y a encore des trucs qui ont cassé. Il y a des bruits dans la maison. Moi, je dis ça, je dis rien, il y a des bruits dans la maison. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on va streamer jusqu'à 3h du matin. Donc, on en a encore pour 2 bonnes heures. Zeus, je te souhaite une bonne nuit. Hein, et de toute façon, tu pourras voir... tu pourras voir la VOD sur la chaîne. Si tu veux voir la suite. Et je pense que la semaine prochaine, on continuera l'aventure. Donc, vu le temps qu'on prend pour prendre des décisions. Et, comment dire, le temps qu'on prend pour prendre des décisions et quoi d'autre, et la durée du jeu, je pense qu'on sera obligé de le faire en trois vendredis, hein, donc je ne toucherai pas au jeu jusqu'à vendredi prochain. Oh là, attention. Alors, j'ouvre ou j'ouvre pas? Regardez bien l'écran. Regardez bien l'écran, c'est super important. Regardez bien l'écran. Regardez bien l'écran. Regardez bien l'écran. Ah, le déo. Regardez bien l'écran. C'est quoi ce bordel? Oh. Ah, parfait. C'est ça, en fait, on est tellement dans une complicité dans le chat à discuter tous ensemble que tout le côté horrifique du jeu et jumpscare a totalement disparu. Et là, voilà, on a MacGyver qui est en train d'ouvrir la porte. On fait vraiment la déconnade. Mais là, même là, j'ai encore été légèrement surpris. Mais la première fois, j'ai fait un de ces bons. Et... ah, voilà. C'était juste un glouton. Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Balance lance-flamme. Et voilà. Et donc maintenant, vous savez qui faisait le feu au début du jeu. Hein? Qui faisait le coin avec le briquet et le déo. J'aurais pas vraiment dit ça. Ouais. Mais moi, demain, ça me fait surprendre. Ça me surprend quand même parce que j'ai bien le casque sur les oreilles et. Bon, bah, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici. Mais oui, c'est ça. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Ouais! Put your hands up in the air! Et là, tac! Effet papillon, les gars! Vas-y, entre. Et n'hésite pas à rentrer dans ma meuf, mec. Ouais, voilà. Alors, que fait-on? À vous de jouer le chat. On met en garde pour dire de ne pas s'approcher... pour dire à Mike de ne pas s'approcher d'Emily ou on le défie? Je vous ai vu, toi et Emily. Ouais, ben en fait, voilà, l'effet défier pour Lady. Et oui, bah ben voilà, le principe de l'effet papillon est totalement présent dans le jeu. Hein. Alors, défier. Mettre en garde pour Alix. Todor dit défier, donc on est à deux défiés, une mise en garde. Bon bah c'est parti. C'est parti pour dévier.
Ah, attendez, je lis juste le message de l'huile tireur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Totalement. Mettre en garde. Oui, de toute façon, non, non, mais c'est défié. Alors attendez, on a mettre en garde une fois, deux fois, défier une fois, défier deux fois. Bon, allez, on défie. Vas-y, tape-lui dans la gueule. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin? Je vous ai vu. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je l'ai prise dans mes bras. Oh. C'est interdit. Avoir un seul enfant. Alors, se méfier ou s'excuser? Attention, on va pas. Là, voilà. Là, c'est ça. On a montré les muscles. Ah, voilà, défier. Bah, voilà. Donc, c'est défier qui l'emporte. C'est défier qui l'emporte. 3 à 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se méfie? Se méfier. Je m'excuse. Voilà, donc je disais, on a commencé à le provoquer. C'est pas le moment de faire. Ah, pardon, mec, t'as des plus gros bras que moi, donc je ferme ma gueule. De se méfier à s'excuser. Lady et Théodore qui disent se méfier. Et lui, le tireur, qui dit s'excuser. Ça fait 2-1. Allez, on est parti pour se méfier. Ouais, c'est ça. C'est ça, et il n'y a rien eu d'autre. Tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, mec. Mes ancêtres n'étaient pas libres, alors méfie-toi. Voilà, bah Guido, voilà, t'as enfoncé le clou. En disant se méfier. Eh ouais, t'as vu, c'est ma femeu. Alors tu me respectes. C'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essaies d'avaler Oh là, ah oui, passage important, les gars. Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? En mode Quelqu'un dit quelque provoque. chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta Préparez-vous, il va y avoir de la question. Tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Ouais, mais Émilie, t'es moche. C'est ça la Oh, différence, c'est que t'es moche. du bal à une vache. Alors, provoquer, hein, ou calmer le jeu. Et si vous voulez de la baston, il faut provoquer. C'est ça. Que voulez-vous, le chat? On provoque ou on calme le jeu? On voit tout de suite que la plupart des joueurs ont été des bourses molles, hein, à dire calmer le jeu. Si vous voulez que ça se tape dessus, il faut provoquer. Que voulez-vous? Est-ce que vous voulez que ça se tape dessus? Guido dit provoquer. Voilà. Baston, c'est ça. T'as tout compris, Guido. On le défonce! Bonne réponse de Lady. C'est con qu'il n'y ait pas le choix en bas, on le défonce. Bon, deux pour le provoquer. Bon, je pense que. Baston. Lui, le tireur, calme. Calmez le jeu. Baston, trois bastons. Ok, allez les filles, crêpage de chignon. Go pour la baston. Ouh! Pouh! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Bitch! Montre-toi ça. Je t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes? Ah ouais, elle est intelligente, elle a 20 sur 20. Oh, Au brevet. Je ne mettrais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Bitch! T'es sérieux? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Ah bah, je pense que là, on provoque encore, quoi. On arrête les rigolades. Hein?
On défonce dans le... On fonce dans le tas. Allez, je réponds tout de suite. C'est baston, quoi. C'est provoqué. Non, c'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah, tu veux qu'on se mette sur la gueule? Tu veux qu'on se la donne? Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. Ah donc là, on l'a bien énervé. Po 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 po. Content que ce soit fini. Ouais. Oh, le truc qui a servi totalement à rien, à part à chauffer les filles. Il est où mon sac? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, placement produit. Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes. Alors j'oublie pas, je pense que là on est bien parti pour le gangbang. C'est ça Todor, on est bien parti? Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Et les autres sont totalement endormis sur le côté. Hein. On est là, on est là, on est toujours là. Allez, viens, ce sera pas long. Et après, on se réchauffera. Ouais. Ouais, beaucoup même. Elle le fait marcher, elle le fait vraiment marcher à la pine. Hein. Allez, s'il te plaît, va chercher mon sac et je te toucherai le kiki. Po po po. On dirait la Reine des Neiges. Loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de tout. Oh yeah. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, hey, les stars du porno! Eh! Eh, n'oubliez pas les capotes, hein! Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que. Ah, Lady, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu sur le stream. À la prochaine, repose-toi bien. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où tu mettais les pieds. Ah oui, et j'avais oublié. Pour rentrer dans le chalet, il faut récupérer trois pierres qui sont égarées au pays des volcans, au pays de l'eau et au pays de la forêt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tu vois, le gars, il reçoit ses potes. Hein. Déjà, il est pas là en avance pour préparer un peu le chalet. Non, non, il arrive en même temps comme un gros clochard. C'est les autres qui doivent tout faire. C'est son pote Chris qui doit s'occuper de, comment dire, de dégeler la serrure, il faut allumer le... Oh pardon, je t'ai bousculé. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ah non, mais je me trompe, je confonds toujours les boutons. Les bits. Alors. Il fait trop froid ici. Mais ne t'inquiète pas. Voilà, voilà. Il m'a piqué ma réplique. Il a quelques idées en tête. Je cherche potentiellement un petit truc en bois. Hein, une sorte de petit cylindre. Hein, vous savez, une sorte de carquois comme dans la piste de Zapatan. Et là, on va lui dire, c'est fermé. Tac. Et vous avez vu l'interaction, quand même. Je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin? Oh, lui, le tireur, bonne nuit, alors. Repose-toi bien. Le totem. C'est ça.
Est-ce que vous vous rappelez de la piste de Zapatan? Oh, le v'là le totem. Ce programme de France 2 des années 90. Le totem d'immunité, c'est Koh-Lanta. C'est ça. Ouf. Prends ça dans la gueule. Totem de danger. C'est ça, c'est Koh-Lanta. Oui, t'inquiète pas. On va l'avoir notre petit moment enrichissant. Ne panique pas. Attention, interaction totale. Hein, voilà. Ça, c'est... Tac. Bim. Et ouais. Derrière toi. Derrière toi, il y a Jean-Guy. Méfie-toi. Et j'appuie sur le but. Un totem. Ah oui. Voilà, là, en fait, c'est un vieux programme de France 2. Faut regarder sur YouTube. La piste de Zapatan. C'était assez marrant. Et là, maintenant, on a Koh-Lanta avec les totems. Le totem d'immunité. Les paniocs et les mangos. Oh ouais, carrément, je suis trop excité. Une sexcapade. Je t'éclaire. Ne t'inquiète pas, je t'éclaire. Je t'éclaire. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Alors. Est-ce qu'on est respectueux? En disant... Voilà, on parle de nos amis... De nos amis morts, hein, je me remémore, mes amis sont morts. Est-ce que je suis respectueux en disant qu'elle repose en paix maintenant? Ou est-ce que je prends un ton inquisiteur et je dis, mais de quoi tu te rappelles? Hein, tu te rappelles quand elle s'est pris 14 coups de couteau dans la glotte? Et voilà. Koh-Lanta, c'est le survival. En fait, Koh-Lanta, c'est des gens qui sont enfermés, qui sont largués sur une île. Il y a deux équipes, les jaunes contre les rouges. Et voilà, en fait, ils font des épreuves pour avoir de la bouffe ou du confort. Des trucs comme ça. Alors, Alix nous dit, on y va avec respect. Voilà, respectueux. Ok. Allez, on part direct sur le respectueux. Voilà. Voilà. Hein. Le respect, comme les poetic lovers. C'est une belle façon de voir les choses. Ouais, ouais. Le statut est... Je t'éclaire. Ne t'inquiète pas. Attends, je place mon truc. Je place... Ok. Voilà. Là, on était bien. On est bien. On est bien. On est bien. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Voilà. Oh. Inquisiteur. Entendu? Oui, j'ai entendu ce drôle de bruit. J'ai entendu un truc. Ouais. Oh. Je t'éclaire. Panique pas. C'est le jeu vidéo 2.0. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs. Ah oui, bien sûr. Tu sais quoi? Merde! On est des aventuriers. Mais oui. Regarde. Totem, Koh-Lanta. Voilà. Et voilà. Putain. Hé, Jessica! Ouais. Ne faites pas refroidir ma viande.
pas eu peur, moi. Et tu t'es pas blessé au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. 7? Tu peux sortir? Je peux pas te dire. Je sais pas, je vois rien du tout ici. Est-ce que quelqu'un peut m'énumérer les 7 membres? Est-ce qu'on est prudent ou héroïque? À vous de choisir. Alors. Voilà. Là, je serais plus partant pour un truc du genre héroïque. Nous avons des objectifs très clairs. Nous savons exactement quelles sont nos ambitions. Hein ? Peu importe la survie, il faut profiter du vivant. Ou du fraîchement mort. Mais faut profiter du vivant. Donc, que fait-on les petits amis? On est héroïque. Il faut être héroïque. C'est à vous de choisir. La tête, les bras, donc ça fait 3. Les deux jambes, ça fait 5. Le torse, 6. Et le cul, ça fait 7. Ouais, certainement. C'est tout à fait probable. Donc je propose. Pas de problème, Zeus. Deux jambes, les deux bras, la tête et le torse. Oui, mais après, le dernier, ça fait 6, ça. Deux jambes, deux bras, tête et torse. Le cucu, ça fait le 7e membre. Bon, allez, on est héroïque, hein. Je saute et on va avoir un petit QTE. Bon, je pense que j'ai fait le bon choix en étant héroïque, hein, vu qu'il y avait Jean-Guy derrière moi. Quand je nous imaginais Jimira l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Yeah. Elle est bien bonne celle-là. Je parle de la blague. Je suppose que tu veux que je passe devant, c'est ça? On va dire... Oh. Oh, putain de merde! Eh ben, dis donc. Oh, bon sang. Est-ce que ça va? Mais oui, ça va. Ah non, pas un tour de rein, c'est pas le moment. Alors, là-bas, voilà, si je me souviens bien, là-bas, il y a un totem. Yeah. Oui, c'est exactement comme ça que je veux le totem. Le totem d'immunité. Allez, on y va tranquillou bilou. Alors, oh là, il y a des trucs ici. Un cigare, le cigare du pharaon.
Voilà. Ce lieu est historique. Historique. Comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens. Comme à Lascaux. Ça remonte aux Indiens. Comme à Lascaux. Comme Julie Lascaux. Le sanctuaire où tu vas te faire sanctifier, ma grande. Ah, la poutre. Tu vas bien ? Oui. C'est pas passé loin. Ça y est, là, on sent tous les petits... c'est... C'est ça, c'est voilà, on nous fait une référence à la poutre. Vache, cet endroit est une vieille urine à retaper. Ah, super. Ça nous dit qu'il y a du danger un peu partout sur la carte. Ça nous dit pas où on est. Et sérieux, faut faire tout ce détour, faut passer par... le cimetière de Toutankhamon, hein, pour hein, on passe à côté de du cercueil de nuages d'encens pour rejoindre un petit chalet. Sérieux? Enfin, une petite lueur d'espoir. Une petite lueur d'espoir, un petit goût de paradis, un petit bounty. Alors, toi tu veux partir là-bas, mais moi je dis peut-être que là, voilà, il y a certainement un totem. Aïe! Je crois que c'est un totem. Là, je crois que ça, il y a une mort. Elle peut mourir. Bon, je sais comment on peut la sauver. Hein. C'est évident. Tiens, d'ailleurs, comme ça va s'enchaîner assez vite après ce passage-là, est-ce que vous voulez qu'on la sauve? Justement. Hein, le chat. Le chat, c'est bizarre, ça fait depuis 5 minutes qu'il n'y a pas eu le moindre message. Attends, je t'éclaire, excuse-moi, je ne t'éclairais pas correctement. Voilà. Ah, ils l'ont super bien modélisé. Eh bien, bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage. Attends de voir la poutre de Robinson aussi. Ah, c'est là. C'est là. Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Waouh. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Et oui. Et c'est là où il y a la fameuse blague du... Attention, regardez bien l'écran yes. Après. Mm-hmm. Reste près de moi, ok? Pourquoi? Ok, il y a des grizzlies et des loups. C'est génial, et nous on va regarder là, et normalement... Je viens d'avoir une idée géniale. Quoi? Attention, hein, ne paniquez pas. Hein. Viens, s'il te plaît, allez, viens. Vous avez vu? Lui, il l'a pas vu, mais nous on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. On a vu le Wendigo. Ok, donc là on avance. Ici. Hop, interaction. Jeu vidéo 2.0. Hop. Regardez.
Oh, le oiseau qui m'a fait peur. Alors, le chat, c'est à vous de jouer. Est-ce qu'on joue en mode ennuyé? Oui, c'est ça, je pense qu'on va la sauver, oui. On va la sauver. On la laisse mourir. Est-ce que la laisser mourir, qu'on fait la fin où tout le monde meurt? Est-ce qu'on fait la fin où tout le monde survit? Je sais pas, on verra. Je pense qu'on la sauvera. Ennuyé pour Guido ou drôle? Il était juste en train de me draguer. Alors Guido, là, sache qu'on est dans un moment, on est dans un moment critique. Hein, c'est-à-dire que tu vois, c'est un bel homme et une belle femme qui vont dans un chalet, hein, seul. Tu vois, est-ce que c'est le moment pour le monsieur de jouer à Joe Lafiotte? Alors, ah, c'est horrible, je déteste ça, tu vois, c'est... Au lieu de jouer les durs. Alix nous dit d'être drôle. Donc voilà, maintenant on attend. Todor. Todor. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Ennuyé ou drôle? Et bien sûr, si nous n'avons pas de réponse, de moyen de se départager, nous choisirons la volonté du plus grand nombre dans le jeu. Ah, tu n'as jamais vu la fin où tout le monde survit? Bah, on va faire survivre tout le monde alors. Hein, je prendrai des choix un moment. Bon, allez, on va dire qu'on est drôle. Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Waouh, coquin. Je suis comme ça, j'aime donner. J'aime me battre. Le statut. Ah oui, le statut a été mis à jour. C'est ma relation avec Jess qui est. Oh là! Au romantique au maximum, quoi. Et ma relation avec Jess est à son paroxysme. Oh là là! Ça va faire quéquette. Josh, t'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer. Oui, c'est certain. L'humour fonctionne à chaque fois. Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Oula. Hé, hey, Mike, je crois que t'as quelque chose sur la figure. Mais merde, elle est où? Hein? Mais what is the fuck? Je vais prendre un bain. En fait, j'entrais justement dans mon bain. Ah là là. C'est pas vrai. D'accord, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir le chaude dans ton Oui. On va essayer de faire la fin où tout le monde survit. Comme ça, le but est de faire quelque chose d'instructif pour tout le monde, hein. Donc voilà, on va aller allumer le chauffe-eau. Parce que Jean Baltringue, bien sûr, n'a pas prévu ça.